On arrive le long des côtes brésiliennes. Là, il y a Recife qui est par là. Bahia un peu plus loin. Et donc, on va aller jusqu'à Rio, ce qui était prévu au programme. De toute façon, on a un petit archipel d'îles à passer devant Rio. Et il se trouve que pour préparer le safran, donc on a récupéré un safran de sperre, si tout va bien, je croise les doigts, devrait arriver à Rio un petit peu avant nous, à savoir mercredi matin. Et en tout cas, avec le nouveau safran, en termes de contrôle du bateau, c'est vrai qu'on gagnera en confort. La fin se fait au portant pour arriver à Rio de Janeiro avec pas mal de vent, 20-25 nœuds de vent d'est. Après, on part auprès des bridés dans des vents très forts, ouais, au nord de l'anticyclone de Sainte-Hélène qui est parti très sud. Et donc, les conditions pour traverser l'Atlantique Sud s'annoncent rudes, compliquées et on va en baver, je crois. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Petit récap de la première semaine de Brest Atlantique à bord d'Actual Leader. Venez-vous de Brest ? Vous allez où à Brest ? Non mais c'est pas la route les gars. Pour moi, c'est une aventure, un voyage loin loin dans tous les sens du terme. Tellement de choses à raconter, je sais même pas par où commencer. Peut-être en allant chercher des bières au frigo, remettre un peu de feu dans la cheminée. Et non, ce sera du yophilisé tiède, bien dégueu, cramponné à la main courante, comme d'hab. Je suis pourtant pané de la dernière pluie. Je sais que la vie à bord d'un bateau, c'est hors du temps, de l'espace-temps. Mais là, nous sommes en course, au taquet, H24, à essayer de gagner du temps justement, de la distance, en permanence sur les chiffres, les stats, les réglages. Et ça va tellement vite que c'est encore plus perturbant. Le temps d'un coucher de soleil, d'une sieste et d'un caca, et on a changé de région du monde, de climat. C'est spatial, lunaire presque. Ça fait une semaine qu'on est parti et on est déjà au Brésil. Partir de la maison, Brest même, à l'abri, au petit matin. Voir l'équipe préparer une dernière fois le bateau, puis quitter le navire. Sortir du goulet, prendre le départ au large de l'île de Sein, puis se retrouver en Atlantique, au-delà du plateau continental, en pleine tempête. J'ai pas vomi, mais j'ai fini au fond de ma banette, à bader. Passé au large de Madère, full speed, avec cette énorme voile d'avant, le Spinnaker ou J0. Surkiffé être au chaud dans les alizés, à bloc Jean Floc, seul au monde. Flippé grave à nouveau dans le poteau noir. Le stress d'Yves et d'Alex étant palpable face à ces monstres totalement aléatoires. Et enfin, la descente libératoire au reaching de plus en plus au calme vers le Brésil. Une fois les îles Cagaras devant Rio virées, on aura fait à peine un tiers du parcours. Assez vertigineux, l'idée de retourner dans le froid du Grand Sud cette fois. En tout cas, la meilleure des découvertes, c'est la fraternité, la confiance envers mes deux marins. Je suis à fond avec vous les gars. Yves et Alex, toujours à donf, professionnels dans une super ambiance malgré la promiscuité. Donc le voyage continue, accroché au carbone et à leur maîtrise. Ma vie est entre leurs mains, ce sont mes dieux, seuls maîtres à bord. A bientôt sur Actual Leader, continuez à nous suivre régulièrement les latitudes des îles de la musique.